Voilà, au terme d'une gymnastique technique assez difficile à imaginer, je crois qu'il faut féliciter pour cela nos différentes équipes techniques de relais et de diffusion. Je crois que nous allons maintenant pouvoir diffuser les déclarations de François Mitterrand. Lui Oui, aussi en plus est. de 10 000 personnes à Mulhouse, à la fois attentives et chaleureuses, participent à ce dernier grand meeting de François Mitterrand. Ils viennent d'entendre Michel Rocard s'adresser aux hésitants. Michel Rocard, qui, dans la dernière ligne droite, apporte tout son soutien à François Je Mitterrand. voudrais contribuer à cet effort de demain et même de dimanche matin en complétant votre argumentaire. Pourquoi y a-t-il de derniers hésitants, probablement encore nombreux? Pour une raison simple, c'est que le changement, c'est l'inconnu. C'est que élire François Mitterrand, renvoyer à leurs chères études ou à sa plume Valérie Giscard d'Estaing, leurs chères études les autres, c'est changer de tête, c'est modifier bien des habitudes. On sait ce qu'on perd et qu'on n'aime pas beaucoup, mais pas très très sûr de bien savoir ce qu'on gagne. Et c'est vrai. Le changement, c'est naturellement l'inconnu. Et il y a là une espèce de handicap qui est celui qu'il nous faut surmonter demain. Alors, je voudrais rappeler d'abord cette très belle phrase de Bernanos que je viens de citer à la télévision, tout à l'heure, c'est même pour ça que nous sommes arrivés en retard, excusez-nous. Et que je voudrais rappeler à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas entendu, il a écrit quelque part, je ne sais plus où malheureusement, mais je me souviens de la phrase. Toute espérance est un risque. Et cette phrase admirable définit bien la responsabilité politique que nous avons à assumer tous ensemble, le peuple de France et François Mitterrand. Et puis François Mitterrand, dans un discours commencé il y a seulement 10 minutes, a répondu aux attaques du général de Boissieu. Oui, ces retards des différents candidats auxquels faisait allusion Michel Rocard et qui nous a à nous-mêmes posé quelques problèmes. Qui opprime, qui écrase. Il est encore des centaines de milliers d'hommes et de femmes. Oui, et des problèmes que vous voyez, évidemment, en direct, je pense qu'il suffit au magnéto de se recaler et d'essayer de diffuser. Vous savez que le journal est avancé d'un quart d'heure en ce moment, il nous pose infiniment de problèmes, d'autant que les candidats ont souvent du retard dans leurs meetings. Donc je pense que nos techniciens qui effectuent de belles prouesses techniques en ce moment, pour essayer de rattraper ces différents petits pépins techniques que nous avons, vont essayer de recaler ce magnétoscope un petit peu en arrière. Ainsi nous aurons et l'image et le son du candidat socialiste. En principe on me dit que c'est une question de secondes. J'espère donc que nous allons maintenant entendre le deuxième candidat à l'élection, François Mitterrand. J'avais toujours 27 ans quand le général de Gaulle m'a chargé d'occuper l'arme au poing, les ministères qu'il m'avait confiés dans le gouvernement insurrectionnel à 200 mètres de la place de l'Opéra où siégeait la grande commandanture tandis que circulaient les chars allemands. Et j'avais encore 28 ans quand le général Koenig a fait de moi chevalier de la Légion d'honneur au titre de la résistance. Pour fait de résistance avec une autre citation à l'ordre de l'armée française. 28 ans, à l'âge où d'autres ne font que commencer. Exactement, exactement ce type d'homme que le général de Boissieu et le ministre des anciens combattants d'aujourd'hui. Exactement ce type d'homme qu'ils appellent un arriviste ou résistant de dernière heure. C'est vrai que pour arriver, d'autres ont pris des chemins plus courts. Et le général de Gaulle lui-même, auquel je me suis opposé directement pendant de longues années dans les combats de la paix, après avoir été de son côté dans les combats de la guerre, n'a jamais
tout le temps de la campagne de 1965, où nous étions comme cela face à face au deuxième tour de scrutin, n'a jamais rien dit d'autre, ni jamais attaqué sur les faits que je viens d'évoquer, parce que lui savait, il fallait attendre sans doute que la race des collaborateurs s'en mêlât. Donc une allusion aux déclarations d'hier du général de Boissieu.